Eh bien bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo. Nous allons tester la bêta 2.8. Donc il y a pas mal de changements. Je saurais pas vous les montrer tous, mais aujourd'hui on va surtout se focus sur l'Almanax. Donc alors, pour commencer, il y a un nouveau zap qui est apparu dans les plaines de Kania. Donc je vais vous le montrer, donc c'est ici. C'est tout près de Astrup, donc c'est assez facile. Et c'est ici qu'on va aller. Donc le zap est en moins 5, moins 23. Et nous allons aller en moins 4, moins 25 pour commencer notre quête de l'Almanax. Donc quand vous vous connectez ici, il va avoir un petit message comme avec la date du jour en version d'Officienne. Plus il va mettre voilà, votre quête quotidienne de l'Almanax n'a pas été remplie. Donc une fois que vous avez fait ça, il vous suffit d'aller dans quête. Alors ici il y a un nouvel onglet qui est apparu, Almanax, donc je vais découvrir en même temps que vous, hein. J'ai juste regardé un petit peu mais pour être sûr, donc voilà. Alors il y a éphémérite du jour, donc on a chaque fois un petit truc qui se met. Là prend sort plus éphémérite du jour, rendez-vous dans le sanctuaire de l'Almanax, on va y aller. Alors ça c'est le bonus du jour. Donc à chaque fois que vous allez faire la quête, eh ben, vous allez avoir un petit bonus. Donc là, les chances d'obtenir du buton sont augmentées de 75% sur les monstres des plaines herbeuses. Donc franchement, c'est pas mal. Si c'est bien utilisé tous les jours, eh ben, ça peut être pas mal. Il y a plusieurs choses, hein. J'ai vu que ce serait soit des petits bonus d'XP, soit des petits bonus de butin, soit même peut-être des items, ou je sais pas trop quoi. Enfin, il y a pas mal de... Il y a 20 bonus différents en fait. Donc là butin on va dire c'est 1. Mais bon les zones vont bouger, hein, vous inquiétez pas. Alors là quête d'Almanax pardon. Donc ça c'est pour obtenir le nouveau Dofus. Donc on sait pas encore on sait pas encore son bonus. Là vous pouvez voir page de calendrier collecté 0 sur 365. Donc pour pouvoir l'obtenir il va falloir collecter et donc faire 365 quêtes du Dolmanax. Donc localiser le sanctuaire, vous cliquez ici et ça va vous montrer. Donc voilà, moi je me suis déjà un peu rapproché pour pas perdre trop de temps. Donc on va aller au sanctuaire. Donc je découvre en même temps que vous encore une fois. Donc il risque d'avoir sûrement des petits fails, à moins que ce soit super bien expliqué, mais bon. Donc aussi il y a un nouveau truc que vous pouvez, enfin vous remarquez pas, mais moi je l'ai remarqué, c'est qu'il y a un nouveau mode ici, c'est le mode plein écran. Donc on peut l'activer, que ce soit plus grand. Moi je l'ai mis en plein écran pour filmer, c'est vachement plus intéressant parce que voilà, on voit que ça sur l'écran, on n'est pas ennuyé par tout ce qu'il y a autour. Et il y a un nouvel onglet là, alerte, c'est pour toutes les sons et tout ça, donc on peut désactiver. C'est aussi pas mal. Perdu focus de nana, nombre de fenêtres maximum. Enfin franchement il y a niveau optimisation, il y a vraiment beaucoup de nouvelles choses. Donc vous les découvrirez par vous même quand la bêta sortira. En plus c'est bien, on peut acheter tout ce qu'on veut sur la bêta parce que toutes les maisons et tout ça, tout est vite. Je me suis même acheté une maison au zap de Free Ghost pour vous dire. Donc voilà, on arrive devant le temple, donc est franchement assez énorme comme truc. Bon, la porte, on est un peu ridicule à côté, hein, j'ai l'impression. Donc on n'est pas très grand. Pour pas salir l'intérieur, bon, on va s'équiper un petit peu. Hein. Voilà. Donc en plus, j'ai les parabiotes de Je t'expulse, hein, parce qu'on s'est connecté hier pour rigoler un petit peu, pour pouvoir une fois jouer en 1 contre 1 pour déconner. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a ici? C'est une bibliothèque apparemment. Théodorant Axe, alors on va lui parler. Te voici dans le sanctuaire de l'Almanax, à la couche grise que je vois déposée sur tes vêtements, tu dois venir de loin. À moins que tu ne sois pas un adepte du Red Fist, le dieu de la poussière. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans notre bibliothèque. Si tu es ici pour rendre grâce aux mérides et gagner des almatons, tu te trouves au bon endroit. Annoncez que vous êtes prêt à honorer les mérides. Voilà. J'imagine que tu sais quelle divinité nous prions aujourd'hui. Son nom est sur toutes les lèvres, tu l'as forcément entendu. Lui demander d'abord de se présenter. Alors, je suis Théodorant Axe. Théodorant Axe.
ancien aventurier, fer adepte des Mérides et frère cadet du Majax. Après avoir exploré le monde, j'ai finalement trouvé ce que je cherchais, un Dofus. J'ai décidé de prendre ma retraite et d'aider mon frère à faire connaître son œuvre. Chaque jour qui passe, je remercie les divinités pour la chance qu'elles m'ont accordée. L'interroger sur le Dofus. Avant moi, je rêvais des mythiques The Dragon. J'ai prié tous les dieux, grands et petits, afin qu'ils me guident. J'ai imploré l'ensemble des Mérides. Et mon appel a fini par être entendu. Une nuit, je suis entré dans une caverne dont nul n'avait connaissance. Et j'ai découvert à l'intérieur une multitude de Dofus, tous identiques. Écoutez la suite. Mon destin est accompli, mais qu'en est-il pour toi? Bah, tu cherches toi aussi les Dofus, n'est-ce pas? Si tu le souhaites, je peux t'offrir l'un de ceux que je possède. Pour l'obtenir, tu devras faire preuve d'abnégation et de patience en priant chaque jour les Mérides. Durant toute une année, je te donnerai une page du calendrier pour que tu puisses suivre ta progression. Es-tu prêt à avancer au rythme des saisons, à t'engager sur les voies menant au Dolmanax? Accepter cette longue quête. Alors, on a à nouveau l'année du dragon. Alors, j'imagine que tu sais quelle divinité nous prions aujourd'hui. Hein, répondre de qui il s'agit, il s'agit de Foluk. Voilà. C'est bien lui en effet. Foluk est le mérite de l'Ouest et le gardien du 23 septembre. Je disais quoi déjà? Ah oui, je te parlais de Foluk. Il est en outre responsable des déconnexions neurologiques inopinées du brouillard qui se forme parfois dans notre cervelle. Et c'est pour cela que le mérite de l'oubli l'apprécie autant. Si tu veux parler à l'esprit de Foluk, tu dois lui faire une offrande. Demander quelle offrande plaira à Foluk. Alors, tu dois te rendre dans les plaines herbeuses de l'île d'Otomai située à l'ouest du continent, arraché lors du Vey et quelques Kilibris. Seul le mérite de l'ouest pourra te dire à quoi cela va te servir. Tu penses que tu n'as pas assez expérimenté pour t'aventurer dans les plaines herbeuses. Il te faudra trouver un moyen de te procurer ce que Foluk te demande. Partir en quête de l'offrande. Alors, année du dragon. Donc ça, c'est la première quête. Alors, ramener à Théodoran 365 pages de calendrier. Donc, on reçoit le Dolmanax. On ne peut malheureusement pas savoir ce qu'il donne. Voilà, bonus max masqué. Regarde toujours. Hein. S'il n'y a pas moyen de dénicher ce qui est écrit, non, on pourra vraiment pas. Donc, c'est niveau 6 comme tous les vrais Dofus. Alors, on gagne aussi 5 316 000 d'XP. Alors, offrande à Foluk. Ramener à Théodoronax 2 duvets du Kilibris. Et on va recevoir 14 almatons, 2 millions d'XP, ça c'est vraiment pas mal, et 11 000 Kama. Donc, à mon avis, ça va coûter très très cher tout ça. On va aller les chercher à bon temps. Il y a sûrement des gens qui ont déjà commencé à farmer pour qu'on puisse faire les quêtes. Alors, bon, donc ça va être bien aussi pour les gens qui veulent vider leur banque. Bah, à mon avis, on aura pas mal de ressources qu'on aura déjà en banque. Mais pour ceux que vous avez en trop, à mon avis, que tous les jours, ce sera bien de les mettre en vente. Et vous pourrez vous faire pas mal d'argent, à mon avis, avec ça. On va aller à la... Mais non, pas à la banque. Puisque les banques sont vides sur la bêta. Alors, ça met un peu de temps parce que là j'ai pas mis le mot de créature. Alors, hôtel de vente des ressources. Il est où? Là. Donc j'espère qu'ils ont quand même pas mis ça à 1 million la ressource quand même. Ce serait un peu dommage. Bon, je saurais l'acheter quand même, hein, pour vous montrer, mais ce serait pas terrible. Alors, Kili. Il faut 2 duvets du Kilibris. Voilà, ils l'ont mis à 50 000 unités, donc on va en acheter 10, hein, ça sera moins cher. Et on va retourner au Zap dans les plaines de Kania.
pour aller rendre notre quête. Alors, c'est le Zap Road. Non. Plaine de Porcas, voilà. Donc, encore une fois, c'est bien parce qu'il y a des. Parce qu'il y a des. Comment? Des zaps qui sont ajoutés. Donc, pour les fainéants, tant mieux. Par contre, il y a un cochon de lait là qui se balade dans les plaines de Porcas, c'est bizarre. Logiquement, c'est pas ici les cochons de lait. Alors. Ben non, apparemment il y a des cochons de lait ici aussi maintenant. Bah tant mieux, pour ceux qui XP là, bah ça les obligera plus à se taper tout le chemin jusque tout en bas. Damakna pour aller sur la plaine des Porcas. Ah non, la presqu'île des dragons. Cochons. Alors, remettre l'offrande demandée. Voilà, donc on a gagné. Vous avez un. Alors, je ferai ce don en ton nom, Sumen Capitaine Flamme. Tu peux maintenant prier devant l'autel si tu trouves dans l'une des salles des saisons. Si ta dévotion est sincère, l'esprit qui garde ce jour se manifestera. Reviens me voir une fois que tu lui auras parlé. Allez prier. À mon avis, c'est là qu'il faut aller. À mon avis, il va y avoir pas mal de background autour de l'almanax. Donc là, il y a une porte ouverte. Attendez, on va parler à celle-là. Vous avez gagné des almatons, c'est ici que vous pouvez les dépenser. Ah là, c'est une bonne nouvelle, on va regarder. Alors, potion astronomique de Bulut. Montée ou descente d'une monture, c'est pas très intéressant. Ah, il y a des nouvelles aptitudes. Gonfler ses muscles, lire une carte, invocation d'Arachne, ça c'est génial par contre. Avoir chaud, avoir froid, se prosterner, lire un livre, galet solaire. Alors là par contre, je sais pas du tout à quoi ça va servir. Bah, apparemment ça sert pas encore. À mon avis ce sera peut-être pour plus tard pour les items de Frigost 3. À moins que qu'ils ajoutent ça dans des crafts. Donc à mon avis on va sûrement avoir des nouveaux items. Hein. Alors. Aller là, je pense que c'est la porte ouverte qui va changer. Alors, que se passe-t-il? Hôtel utilisé. Ah, Folux est apparu. On va lui parler. Je suis content de te rencontrer, Sumens Capitaine Flamme. Grâce à ton aide, mes nuits vont être plus douces. Demandez à quoi va servir l'offrande. En tant que dieu, je suis en mesure d'exiger un certain nombre de qualités des produits que j'utilise. C'est pourquoi je ne dors que sur des matelas en duvet d'Kilibris et j'en change tous les ans. Pensez à autre chose. Eh oh, reviens parmi nous. Ça fait 5 bonnes minutes que je te parle et j'ai l'impression que tu as l'esprit ailleurs. Quelque chose ne va pas, présenter des excuses. Ce n'est pas si grave, moi ça m'arrive tout le temps. Youhou, arrête de fixer ce bassin. Je suis là. Décidément, tu feras un exemple, un excellent disciple si tu n'avais pas déjà choisi les divinités tutélaires. Se concentrer sur les propos de Folluc. Que je suis devenu Méride. Une histoire passionnante, n'est-ce pas, balbutier. Je vois, ton esprit était encore bien vagabondé. Oula, ça fait un petit bruit. Ce n'est pas tout, mais je dois m'occuper d'autres aventuriers venus me rendre grâce. Je te dis donc à plus tard. Le saluer respectueusement avant de s'en aller. Voilà, donc on a mis à jour l'offrande à Folluc. Retourner voir Théodoran Axe, donc ça c'est celui à la base. Donc bah franchement pour ce que ça a utilisé, bah ça nous va nous ramener pas mal d'XP. Répondre que vous aviez parlé à l'esprit du jour. Oula, j'ai cliqué dans le vide. J'ai quelques questions. Donc voilà, donc on a terminé notre quête du jour. Donc on a reçu une page du calendrier. Voilà, vous, si vous priez quotidiennement les mérites, Odoran remettra un, voilà.
On a gagné 2,5 millions d'XP, 11 000 Kama, donc en fait on a gagné de l'argent en fait en faisant la quête puisque ça nous a coûté 10 000 pour acheter les ressources. Donc voilà, on va aller regarder dans les quêtes, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc, on peut pas cliquer sur calendrier par contre. On va regarder sûrement dans les objets de quête, on doit voir la page. Voilà, elle est ajoutée là. Bon bah c'est bizarre, donc butin du jour, les chances d'obtenir. Donc voilà. Bon bah voilà, j'espère que ça va vous expliquer donc le Dolmanax. Enfin la quête de l'Almanax, donc pour avoir le Dolmanax qui est le Dofus. Donc on n'aura pas de nouvelles avant le 18 septembre 2013 déjà. Donc ça va mettre un an complet. Donc voilà, moi j'ai gagné 1 sur 365, c'est super. Bah moi, à mon avis, quand je serai sur la version officielle, bah, je vais essayer d'en faire un maximum hein, pour essayer de l'avoir le plus rapidement possible pour vous le montrer. Et voilà, donc pour ceux qui ne savaient pas, la version officielle de la 2.8 sort le 18 septembre, donc c'est pour ça que je disais qu'on l'aurait pas avant le 18 septembre, mais l'année après. Donc voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vos questions sur le Dolmanax vont être un petit peu remplies parce qu'on se demandait tous un petit peu ce que ça allait être. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et salut à tous!